Salut, c'est Boisdin, je suis avec... Bois 2, c'est moi! Alors d'habitude, sur notre chaîne, on parle de bande dessinée et de dessin, mais là, on s'est dit qu'on allait changer. Car si vous suivez Bois 2 sur Instagram, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est fan de... Lego! Je suis même un maître constructeur! Et oui, il construit ses propres modèles, des fois oui, des fois non, voilà. Mais tu as plein de Lego, tu construis des trucs, tu améliores J'adore, des choses, oui, voilà. Tu en inventes, voilà. C'est une passion. Et comme tout le monde, comme tout à chacun, la mode des hand spinners nous a pris. La passion des hand spinners nous a pris à peine. J'avais vu la vidéo de Dr. Nosman que j'étais déjà en train de commander à hand spinner sur internet. Pareil pour toi. Oui. Puis après, comme on travaille dans des écoles, tous les enfants en ont eu, etc. Tous les enfants. Et c'est là que toi, tu as vu sur internet un hand spinner en Lego. D'ailleurs, on va vous mettre le lien en dessous en description. Et tu as décidé de le faire et même. Et même, je l'ai perfectionné. Il l'a perfectionné. Car sur le modèle de base, il y avait un petit problème de frottement que j'ai réglé en changeant quelques pièces. Et on s'est dit que ça pourrait vous intéresser. Donc sans transition, montage de ce hand spinner en Lego sur une petite musique fortement sympathique. Voilà, maintenant vous savez comment fabriquer ce hand spinner incroyable en Lego. Vous avez vu que c'est plutôt simple. C'est plutôt simple, c'est des pièces assez simples à trouver, sauf deux qui sont plutôt rares et plutôt importantes. Donc il y a le plus grand rond avec le trou au milieu est très important pour pouvoir attacher les quatre branches et pour pouvoir mettre les plus petits ronds autour. Ça, ils ont bien vu, mais surtout il n'est pas facile à trouver. Et la deuxième pièce importante, c'est le tout petit rond tout lisse avec un trou qui permet donc d'éviter les frottements. Au maximum d'éviter les frottements, exactement. Et il n'est pas non plus facile à trouver, mais tout est trouvable sur internet. Sur des Alors, sites trouvables dans des boîtes de Lego ou commandables sur internet. Il y a plein de sites qui proposent d'acheter des pièces de Lego à l'unité. Sinon, les autres pièces, si vous avez quelques Lego chez vous, vous les avez normalement toutes. Hein, c'est des plaques 2x4, 2x3, 2x2. C'est des pièces, ma foi, classiques. Et vous n'êtes pas obligé de respecter un code couleur. Vous pouvez les prendre de toutes les couleurs, etc. C'est pas très grave. Dernière précision, pour que ça tourne bien, il est essentiel que vous laissiez du jeu sur la petite barre. Écoutez le jeu. Voilà. Et ensuite, faites-vous plaisir, hein, il est personnalisable, hein, vous pouvez mettre toutes les couleurs, toutes les longueurs, tant que vous rajoutez des trucs qui sont symétriques, hein, allez pas mettre une pièce comme ça là, puis une pièce comme ça là, ça tombera moins bien. Tant que tout est symétrique, vous pouvez faire un hand spinner même géant, Bois de la Fée, vous le voyez juste devant vous. Il a dû s'adapter un petit peu parce que il la taille. Il a dû faire une poignée parce qu'il tenait plus entre deux doigts. Mais vous voyez que tout est possible avec cette simple base. Et pourquoi pas, mon cher Bois 2, coller des poids au bout, hein. Bon, c'est des Lego, c'est un peu con de coller des trucs dessus, mais pourquoi pas. Jamais de Lego. Bon, d'accord. Et l'intérêt, c'est qu'il soit montable et démontable.
à l'infini. C'est vrai que... ça, tu peux le cacher dans ta trousse à l'école. C'est vrai que pour les écoles, les collèges, les lycées, les entreprises, parce que ça a gagné le monde entier, où c'est interdit, parce que c'est vrai que ça a été interdit dans plusieurs endroits, ça peut être pratique que ce soit démontable. Vous le démontez, vous le mettez dans votre poche, vous le cachez, et à la pause, ouf, à la récré, vous le construisez, vous le ressortez, et vous épatez tous vos copains. Vos copains ou vos collègues, hein, si vous êtes plus grand, c'est épatant. Il ne reste rien d'autre à dire sur ce hand spinner en Lego, donc si vous avez aimé ce concept de petite vidéo sur les Lego, on a commencé avec le hand spinner, mais on peut... On a d'autres idées, notamment peut-être des défis, construire, donc on doit construire la même chose en 5 minutes par exemple, avec du temps imparti, avec les mêmes pièces, etc. Ou d'autres petits trucs comme ça en Lego, on peut faire plein de choses en Lego. Parce qu'on est tous les deux des grands fans de Lego. Voilà, en tout cas, likez, partagez, construisez, commentez, lisez des BD quand même, et mangez des frites.